Christian, donc une belle victoire la semaine dernière face à Grenoble, ça relance un peu la machine après la défaite à Nevers. Ouais, c'est pas une belle victoire sur le point comptable et le point investissement. Après, ben, je ne sais pas, épeler. On a su surtout ne pas les prendre de haut, bien se préparer la semaine après la défaite à Nevers et puis renouer avec la victoire parce que voilà, on alterne l'euro, le chaud et le froid. On n'est pas dans la continuité, donc voilà, cette victoire elle était importante face à une belle équipe, hein, forcément, de Grenoble. Et puis surtout, elle a été synonyme d'investissement, je le répète, parce qu'on n'a pas pris d'essai face à une équipe qui habituellement marque pas mal. Donc voilà, sur plein de points, cette victoire était belle, en tout cas pour nous, même si le contenu n'était pas exceptionnel. Demain, déplacement à Aurillac, ils sont sur une mauvaise dynamique puisqu'ils ont perdu 5 fois en 6 matchs. Est-ce que ça compte pour vous ou c'est juste un détail? Alors ça c'est à double tranchant, ou c'est bien ou c'est pas bien. Je sais pas, ce qui est sûr c'est que gagner à Aurillac c'est très, très compliqué. Je crois que le club, en tout cas, l'associé ne l'a jamais fait. Donc ça prouve comme quoi cette équipe elle est redoutable, pas par rapport uniquement à nous, mais par rapport à d'autres équipes qui s'y cassent les dents depuis des années. Moi, c'est une équipe que je respecte parce qu'elle est un peu dans la même philosophie que la nôtre, avec peu de moyens. Et à la sortie, on se rend compte qu'ils durent dans le temps. Quoi. Voilà, ils arrivent à trouver des solutions pour chaque année, mais même dans le dur, s'en sortir. Donc, déplacement compliqué, périlleux, avec de la neige apparemment pendant le match. Donc. Contexte un peu climatique inhabituel, mais en tout cas on y va les mêmes intentions qu'habituellement, celle de vouloir faire quelque chose et si possible revenir avec des points. Au moins un, ça serait bien, plus ça serait mieux et ça nous permettrait de, voilà, de regarder devant avec un peu plus d'ambition. Reinhardt a inscrit un très bel essai la semaine dernière contre Grenoble. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette superbe percée que tu as fait? Oui, c'était bon pour moi aussi. Je pense que la dernière fois que j'ai marqué c'est plus de 5 mètres, c'est quand j'avais 20 ans. Mais non, j'ai d'habitude, après un tap, j'ai communiqué avec Steven. So, il me cherchait, quand je regarde où est l'espace, et lui me voit, et il tape le même chien de moi. Et oui, il me donne le ballon avec une défenseur devant moi, et une front. Et après, je pense que je suis comme un train. C'est difficile pour arrêter. Je vais voir l'espace et je continue à courir. Et marque bel essai, heureusement. Demain, vous vous déplacez à Aurillac. Il risque de neiger, ça va être un match âpre, notamment devant. Oui, tout le monde sait qu'Aurillac a une belle conquête. Mais en fait, on a l'habitude de s'avancer en dessous de Mathieu Cidre. On travaille dur la conquête, mais les touches. Ça pour nous, c'est juste pour faire la même chose qu'on a fait contre Grenoble. On voit un peu de touches, le ballon d'Aurillac demain et le mêlée. Ouais, ça sera très dur. Mais oui, on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Et j'espère qu'on peut aller là-bas et ça, on peut s'en faire. Ça fait très longtemps que l'USC n'a pas gagné à Aurillac. Est-ce que ça a une signification ou pour toi c'est pas important? Non, c'est juste faire le process. On a fait toutes les semaines. Il fera très très froid. Ça c'est sûr, mais on ne peut pas contrôler ça. On ne peut pas contrôler l'arbitre, le temps, rien de ça. C'est le process, petit process. Si on contrôle la vitesse de match, on contrôle la conquête, comme j'ai dit, et le petit process sorti de camp. Quand on est dans la zone de marque, on marque l'essai pour sortir là avec 3 ou 5 points. Ça, c'est les petits 5 minutes. Si on gagne les petits trucs, les résultats en fin de journée, c'est j'espère gagner. Merci.